Oh là là, mais arrêtez les sorciers, jusqu'à quand? Mais jusqu'à quand? Purée! C'est trop, c'est trop. Dis quoi les frères, j'espère que vous allez bien. Si vous allez pas bien, j'ai un asco et tout, mais les problèmes, faites pas chier les gars. Tribunal avec Muriel ce soir les gars, putain, putain. En fait, comment on a pu flop comme ça? Je dis on parce qu'on est censé être ensemble. Mais là, je vous vois jubiler en fait. Être content de voir ma chute. Les sorciers travaillent activement contre moi chaque jour et personne ne fait rien. Tout le monde regarde ma chute et tout le monde applaudit, tout le monde est content. Y a pas de problème. De toute façon, ce live-là, en vrai, on n'a qu'à le faire et on verra bien ce qui se passe. Mais je vous dis un truc. Si je tombe, vous tombez avec moi aussi. Croyez pas que je vais tomber seul. Si je tombe, je vous maudis tous, toutes vos relations. Tous! Voilà, je viens de vous envoyer des sorts. Et maintenant, si moi je tombe ce soir, vous tombez tous avec moi. Voilà. Pitié, non, pitié, non! I was with Brian, you know, so he called me, he said like. Impossible que je floppe ce soir, les gars. Impossible de flop. Comment je suis beau, on dirait un Américain quand je mets de la couleur comme ça, quand. Ah, j'ai envie de me. J'ai envie de me. J'ai envie de pleurer déjà pour dire déjà merci Seigneur de m'avoir rendu aussi beau. Et ensuite, qui suis-je réellement? Top 5 Congolais du monde et pas 5e. Ça va bien se passer ce soir, j'ai aucune pression. Je suis trop beau et j'en joue. T'es beau le big! Oh, comme mon frère préféré. Qu'est-ce qu'il y a? T'as quoi à me demander? J'ai rien à te demander. J'ai mangé dans ton resto de dessert préféré. Pourquoi? Mais pourquoi? En fait, on peut pas faire plaisir aux gens. De plus, Oh. on a un truc derrière la tête si on fait plaisir aux gens. Oh, je te connais T'es très bizarre, bien, mais toi. J'ai rien. y a un truc qui Gros, cloche. j'ai rien à te C'est quoi ce qui dire. cloche? Viens, on va chercher ton dessert préféré, c'est tout. Dis merci. C'est quoi mon dessert préféré? C'était crêpes. Crêpe quoi? Crêpes Nutella, banane, glace, tout ça, Tu quoi. mens! Si, la vie de ma mère. Jure? Oui, t'es mon gars. Ah, vas-y, là, t'es mon gars. Là, je te Oui! connais bien. Là, t'es mon gars. On y va tout de On va suite. qu'on va où? Maintenant, on y va. Tu mens! Là le big, il va se régaler. Arrête de mettre ton nez comme ça dans la nourriture. Pitié. Qu'est-ce que tu fais? Regarde ce qu'il Viens fait. remettre ça. Sois civilisé. Allez, fais ta vidéo là. Tout qui mange. Ça sent tellement bon. Ça, je la vois le chocolat là, même. Caramel, spéculoos, pomme, et toi Ted? Nutella, banane, brownies, glace, tout ce Celle-là, qui c'est ta me tourne. préférée, celle-là. Tu veux manger maintenant? Ouais, vas-y, c'est bon. Attends. Mange tout ça. Putain, il fait long, je vous jure. Mange bien, frère, putain, il est dégueulasse. Comment faire? Gros, s'il te plaît, t'as 18 ans, maintenant mange comme un homme. Il mange ça, les gars, il n'y a plus rien qui peut l'arrêter, je vous jure. Il bon. Regardez comment il se concentre. Oh là là là, aujourd'hui, ça va se péter le ventre. Le ventre va exploser. Tu peux m'aider à ouvrir? Gros, s'il te plaît, 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 s'il te plaît. Une foule la honte, je vous jure, une foule la honte. Une foule la honte, une foule la honte, comment il mange comme un. Gros, arrête de manger comme un singe, putain, Ted. Je suis mort, putain, je suis mort. Mon frère, putain, mon Sancho. Mon Sancho, le Sanchelito. Qu'est-ce qui t'a mis? T'as dit Qu'est-ce qui quoi? t'arrive? Je suis content de te voir, frère, on est jamais Oh, toi, ensemble. t'es trop bizarre. Les gars, il est venu me chercher à l'école.
Il est trop content, il est trop joyeux. Il est alors, commence à me faire plein de compliments. Et alors, toi, t'as quelque chose à me demander. C'est quoi rien à demander. Bro, dis-moi, c'est quoi. Allez, c'est bon. Arrête de faire l'ancien. Moi, c'est hypocrisie pendant longtemps. Il y a quoi. Quelle hypocrisie, t'es mon frère. Je suis content de te voir, c'est tout. Bro, t'es jamais content. T'es jamais content de me voir. Tu me fais jamais de compliments. Arrête de casser les couilles. Bro, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a. C'est juste que je suis content. Arrête de niquer le moment là. T'es mon gars. Je sens bien en ce moment. Je sais pas. Je trouve que t'as pris en maturité. Même tu t'habilles bien, t'as vu l'arrière comment t'as habillé aujourd'hui, propre. Tu vois tes contours, on dirait ils redescendent. Je savais, il y a un piège. Tu te moques toujours de mes contours. Et alors tu te moques toujours de mes contours, il y a un piège. J'ai changé. Tu te moques toujours. Non, tu trouves pas ça propre, je sais très bien. Bah, moi, dis-moi ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe, gros? Parce que j'aime bien tes contours. Les gars, dites-moi qu'est-ce qu'il a. Dites-moi un message là. Non, que... non, c'est quoi le problème? Si. Dites-moi qu'est-ce qu'il y a. Je savais qu'il y avait une entourloupe. T'es un vrai manipulateur. T'es un gros manipulateur, je sais qu'il y a quelque chose. Good. Le goat des plus beaux, en fait. Juste après moi, c'est toi le goat. Tu sens bon, t'es frais, t'es Ted. T'es vraiment big, Ted. Tu vois ce que je veux dire? Et oh, arrête ça. Arrête cette comédie. Ouais, dis-moi ce qui se passe. Dis-moi, t'as besoin de moi pourquoi. Accepte les compliments. Gros, arrête de mentir. Tu mens. Tu penses pas tout ce que tu viens de me dire, tu ne penses pas. Bien sûr que arrête, si. Arrête, dis-moi la vérité, y'a quoi. J'ai rien à dire, gros. C'est juste que j'avais envie de te dire ça. C'est quoi? C'est le daron, il t'a encore menacé. Mais qu'est-ce qu'il y a que le daron? Qu'est-ce qu'il va faire? Ouais, c'est l'argent. Mais qui argent? Pourquoi j'aurais besoin de toi pour de l'argent? C'est Muriel? Non, pourquoi tu dis ça? T'as galéré! Il a galéré à la fin! T'as galéré à la fin, Muriel! C'est Muriel! Il se passe quoi? Elle est partie pour quelqu'un d'autre! Mais qu'est-ce que tu racontes, frère? Elle est partie. Oh, dites-moi ce qui se passe, y'a un problème avec Muriel là! Zéro problème! Donc viens là, tu m'emmènes nous là, tu vas venir, tu m'emmènes nous là, on ne va pas à la maison! On va manger une crêpe avec des glaces et tout ce que t'aimes manger! Tu mens. Si, tu mens comme tu respires. Tu vas kiffer. Les gars, il y a un truc avec Muriel. Y a rien du tout, c'est pour te faire plaisir, gros. C'est parce que t'es mon frère. Depuis quand? On y va, c'est bon, arrête de poser des questions là. Il va découvrir ce qui se passe. Non, y a attends. Rien. Il va voilà. Te demander d'être de ton côté. J'en étais sûr. Voilà, gros suceur, la fusée, espèce de grosse poucave, sale suceur. Hypocrite. Un gros suceur qui a été poucave à tête, vous êtes des gros suceurs. Pourquoi vous allez poucave? Parce qu'en fait, personne ne veut mon bien ici. Gros, personne ne te manipule, t'es mon frère. T'es mon frère. Non, sors pas de la voiture. T'es mon gars. Ouais, je suis ton gars. T'es mon gars. Quand il s'agit de. Que tu veux que je sois ton avocat, là je suis ton gars. Non, mais t'es mon gars tout le temps, c'était je t'en mets en boîte ce midi. C'était pour ça les crêpes et tout là. Moi je te mets tout le temps bien, t'es mon frère. Ah, tu vas faire mon avocat. Parce que t'es mon frère. Tu veux que je sois ton avocat? Bah oui. Non. Voilà, c'est non. Suceurs, voilà, j'ai décidé que ce soit vous non. Vous êtes des gros suceurs. Parce que... Oh là là, mais arrêtez les sorciers, jusqu'à quand? Mais jusqu'à quand? Purée. C'est trop. J'en étais sûr. Gros, arrête de forcer. J'en étais sûr. Merci à toi, la fusée. Gros, donc tout ça, c'était du sang. L'abonné qui a été tout ça, c'était du sang. C'est pas un suceur, tu veux, tu as raison c'est de pas me dire. Sang blanc, donc ça, c'était de l'hypocrisie. Je savais, je savais que tu faisais des crises. Tu me complimentes jamais. Jamais, on vient. Viens, tu vas jamais me chercher à l'école. Et alors, aujourd'hui, je voulais prendre une hypocrisie. Tout ça pour que je sois ton avocat. Ah, ok, j'ai capté. Ah, tu vois, je vais faire ton avocat. C'est non. Gros, voilà, c'est non, non, il dit ça, mais il ment. Non, c'est non, 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 personne va faire l'avocat ici. L'avocat, non, moi j'ai décidé que ce soit non. Voilà, c'est pour, ça c'est pour t'être servi de moi. Allez, débrouille-toi tout seul. Espèce d'hypocrite, allez, je sors de cette voiture. Jamais vu ça, wesh. Je savais que tu mentais. Je savais, toi, c'est jamais. Tu fais les choses en mode de bon cœur. Toujours tu. J'en étais sûr. Déjà, dès qu'il est venu me chercher, je trouvais ça bizarre. Il le fait jamais d'habitude. Comme par exemple, aujourd'hui, il l'a fait. Après, il m'emmène manger crêpe, Nutella, banane. Tout ça pour que je sois son avocat. C'est tellement un manipulateur, ce type. On peut jamais vraiment lui faire confiance. À chaque fois que tu crois que... Il y a moins... Dites-vous, j'y ai cru pendant un moment. J'y ai cru, je me suis dit, ouais, ça va. Il est juste venu passer du bon temps avec son petit frère. Il y a toujours un piège quelque part avec lui. Tout ça pour que je sois son avocat. Je serai pas là, comme ça, vous savez. Je ne vais pas l'aider à son tribunal. Il va se débrouiller tout seul. Il a essayé de m'embobiner, voilà. Il va voir les retombées. Frère, je suis arrivé au studio, on lance le live tout de suite. Il y a déjà des gens dans le chat, ces gros forceurs qui n'ont pas de vie. Création d'une diffusion en direct. Le live est officiellement lancé. Je vous mets le lien de ma chaîne YouTube. Venez tout de suite, les gars, c'est le moment du tribunal. Muriel et Messia sont pas encore là, mais c'est pas grave, on va chill, on va discuter le temps qu'elles arrivent. Et surtout, vous allez prier pour moi, on va prier tous ensemble pour que je m'en sorte. On va s'en sortir aujourd'hui. Venez. Explique-moi la théorie, s'il te plaît. T'as vu, non, en vrai, de vrai, dans la logique des choses, t'es pas en couple. Ok. Tu stipules que t'as vu, bon, c'est vrai qu'il y a des choses à ne pas faire.
comme à Lambon. Suceur, suceur, arrête de sucer. C'est une raclée, tu vois. C'est sûr qu'elle va le prendre mal. Mais dans la loi qui vient d'arriver, personne l'a invitée. Pourquoi elle est là depuis tout à l'heure? Elle parle dans mes oreilles. Muriel, Muriel, Muriel. Que quelqu'un la dégage, que quelqu'un la dégage. Par pitié, Muriel, elle est même pas là. Désolée les gars, depuis tout à l'heure, je snappais pas parce que je suis rentrée chez moi. Je me suis vite fait poser. Je me suis changée. Et j'avoue que j'appréhendais aussi ce live de ce soir par rapport à ce que je vais lui dire. En fait, j'appréhende sans appréhender, mais je pense que des fois, il faut prendre des décisions à contre-cœur. Voilà, pas écouter son cœur, mais écouter plutôt son esprit. Parce que je vous jure, en fait, j'ai pas envie de faire la fragile du coin non plus, mais en fait, au bout d'un moment, ça y est. Vous savez, quand vous en avez vraiment trop sur le cœur, sur l'esprit, ça y est, j'en peux plus, genre. Genre vraiment, il y a trop de choses qui se passent, on dirait qu'on n'avance pas. Et on dirait qu'il n'y a que moi qui ai impacté dans cette relation. Même si je peux appeler ça une relation, mais bon. Bref, je pense qu'il est temps de reprendre les mains de toute cette histoire. Et que ça se termine, quoi. Enfin, je sais pas. Bref, en tout cas, je vais démarrer, enfin, je vais y aller. Et on se retrouve au live, les guys. 24 qui a pris les choses en main dans sa vie et qui comprend les choses et qui sait prendre du recul sur des situations, entre autres cette situation où ça ne doit pas aller jusque là. C'est tout. Voilà. Mais si tu veux pas que ça aille jusqu'à là, tu veux faire quoi alors? Non mais dis-moi, tu veux faire quoi? Je sais pas frère, fais ce que tu veux en vrai, je te jure. Oui mais moi j'ai besoin de prendre mes distances avec toi en fait. Je n'ai plus envie de me comporter avec toi comme si on était ensemble. J'ai plus envie d'attendre je sais même pas quoi. Parce qu'au final je pense que ça va se concrétiser à rien. En fait j'ai plus envie d'avoir cette pression de me dire: ouais Kinda, qu'est-ce qu'il fait? Oui Kinda, il va encore faire ceci. Ça va me blesser. J'ai plus envie de me prendre la tête. Si tu n'es pas prêt, tu n'es pas prêt. En fait il faut juste que je laisse tomber. Tu vois, elle est perdue, elle sait même pas ce qu'elle dit. Elle sait même pas ce qu'elle dit. Mais si, distance ou terminé. Mais c'est clair dans tout. Mais parce que. Distance ou terminé. Distance et terminé, c'est pas la même chose. Alors terminé. Tu veux faire tes blagues. C'est pas une blague. C'est juste que frère, tu n'es pas clair. Non, mais ça se voit que tu veux pas terminer. Ça revient à la même chose. Ça se voit que tu n'as pas envie. Arrête de faire semblant. Je prends cette décision à contre-cœur, bien évidemment. Donc tu n'as pas envie. Mais si j'en ai envie. Donc tu n'es pas obligé d'aller jusque-là. Il faut que je pense aussi à moi dans l'histoire. Écoute, t'as le droit de vouloir prendre tes distances et de réfléchir ton côté. Ça, je te l'accorde. Mais terminer, tu n'as pas le droit. Et en plus de ça, même toi de ton côté, tu n'as pas envie. Pourquoi je peux pas me comporter avec toi comme ça? C'est pour ça que j'arrête. Comme ça, même toi, de ton côté, tu vas faire tes occupations, tes petits projets, pas te prendre la tête avec une meuf, pas te soucier de oui, si je poste ça, si je parle avec... Moi, tu feras ce que t'as à faire, quoi. Et je vais rien faire de quoi, frère? Tu vois, c'est ça le problème, le comportement d'une sorcière qui veut que je réagisse, du coup, qui dit des trucs extrêmes, et puis après, maintenant, quand elle voit que je réagis pas, elle a le seum parce que je réagis pas. Dans tous les cas, mais frère, tu viens de donner ta décision, et du coup, maintenant, j'accepte ta décision, et maintenant, ça revient sur du... Tu vois, là je comprends pas, etc. Et tout, frérot. C'est pas que je comprends pas, c'est que je vois juste la réaction que j'ai en face de moi. Et ma réaction, c'est la réaction d'un mec qui sait très bien que tu penses même pas ce que tu dis. Mais c'est parce que c'est moi, j'avoue clairement. Je fais pas la tismée à te dire. Je te laisse dans le doute de oui, je pars et tout. Je te dis ouvertement mes pensées. Que oui, je t'aime, je prends cette décision à contre-cœur, mais je la prends pour moi. Parce que là, je pense pas. Ok, mais pourquoi tu attends que je fasse quelque chose alors? J'attends rien, c'est juste que je vois ta réaction, c'est tout. Ma réaction, c'est. Ah, que t'es neutre face à je ça. Je suis pas neutre, mais je parle depuis tout à l'heure. Depuis tout à l'heure, je parle. Oui, mais tu es neutre face à cette. Non, depuis tout à l'heure, je parle et les gens m'entendent depuis tout à l'heure, je parle. Depuis tout à l'heure, je me justifie, c'est tout. Ok, mais dans tous les cas, je pense que c'est bien comme ça. C'est toi qui vois. C'est pas que je m'en bats les couilles que je réagisse comme ça, je te jure. C'est juste que ça devient ridicule, je te jure. C'est pas ridicule, c'est que je pense que c'est la meilleure décision pour moi. Parce que je sais pas où j'avance là, où je mets mes pieds là. Ok. Moi j'avance et toi tu recules. C'est ta décision, écoute. Donc bon. Je pense que j'ai rien d'autre à rajouter. Bon. Ok. Mais je vais partir.
Comment ça, maman? Ciao, les guys.